Are you ready? Are you ready? Oh yeah. Soup FM. Alors on prend rapidement le troisième auditeur. Allô? Vous êtes en direct sur Radio Poum. Ok, bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ok. Bon, là maintenant, c'est vous parler à Pacom. Ok. Pacom. Justement. Donc, d'accord. Très enchanté de savoir que vous nous écoutez. Alors, vous voulez vous prononcer sur le sujet Zabra le boxeur? Justement, surtout, en quelque sorte, l'émission, okay. Tout. Voilà, donc d'accord. On va commencer. Allez-y. Par Zabra le quoi là? Le boxeur. Voilà, le boxeur, c'est lui qui a assez de porcelaine et il sait comment les utiliser. Ok, donc je voulais dire, déjà, son acte n'est pas bien. Ouais, bon, enfin, c'est pas trop agréable de taper la femme, surtout avec des assiettes en porcelaine, c'est pas très intéressant. Mais bon, prenons maintenant la fille. Toi, okay. Tu dors sur moi, hein? Tu dors sur moi, ma chambre conjugale, que je partage avec toi. Tu entres dans okay. La chambre, tous les draps qui sont sur le lit là, tu vois que c'est pas ton homme qui est là. Mais pourquoi tu vas te coucher à côté de lui? Tu peux pas dire à lui qui est à côté là de quitter là. Ou bien tu peux pas appeler ton mari pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui est couché à ta place, il faut venir l'enlever. Elle pouvait pas faire ça. Donc en fait, vous nous expliquez la vraie version de l'histoire. Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est ça? Mm-hmm. Mais nous, ce que non, nous, en fait, nous ce qu'on a vu, oh non. On a vu nous. Que c'était parce que la fille. Voilà. Qu'est-ce que la fille a dit? La fille a dit non, qu'elle est entrée dans la chambre, elle était fatiguée, patati patata. Non, elle s'est coupée, n'est-ce pas? D'accord. Un truc de ce genre. Mais... Voilà. Donc moi, je dis maintenant. Étant donné que la somme que Arafat partage avec la fille, cette somme-là, aucune autre personne doit partager cette somme à part Arafat et sa copine. Donc automatiquement, quand tu entres dans la somme, que tu vois que c'est pas ton homme qui est couché sur ce lit-là, tu dois interpeller ton homme pour lui dire que il y a un homme qui est couché dans ta somme. Je peux pas venir me coucher avec cette somme-là. Même ok, pas comme sans te couper, hein. Je vais te poser une question simple. Moi, si j'étais Arafat, je serais venu me prendre au mec qui est venu déranger ma copine. Parce que je suis un homme, je trouve un mec chez moi et où je sais que ma copine a eu un truc avec un mec. J'aurais affaire au mec, pas à ma femme parce que c'est une femme d'abord. C'est un être sensible, mais on se déconcentre sur la meuf. Il enlève tout, il a battu ses façons. Muscles sur la meuf et puis... De toutes les façons, M. Pacom, je pense que on ne va pas polémiquer sur le fait que la fille soit coupable ou pas. Nous, ce qu'on a vu... C'est là qui est déposé. Voilà. Donc, épargnons-nous des détails. Si la fille peut avoir tort, mais est-ce que, quelle que soit la faute, est-ce qu'il était nécessaire pour Arafat de briser des assiettes sur sa tête, de la battre et surtout voilà. En face d'une caméra. Exactement. Est-ce que c'était nécessaire? Déjà, il faut dénoncer l'acte que Arafat a fait. C'est pas bien. D'accord. Est-ce que vous voyez? Quand j'ai commencé, c'est ce que je dis. J'ai dit Arafat, en tout cas, l'acte qu'il a, ce qu'il a fait, c'est pas juste aux yeux de tout le monde. Et de deux, c'est un gars qui se fait pas respecter. Parce qu'un homme qui se fait respecter, lorsqu'il doit taper sa femme ou bien il doit faire des reproches à sa copine, je crois qu'il faut avoir un endroit très secret où on peut discuter. Mais là où tu laisses tes amis filmer cette vidéo et puis c'est pas le seul gars qui filmait. Parce que quand on regardait la vidéo, il y a un autre gars qui filmait. C'est-à-dire qu'il a cautionné ça. Lorsqu'il dit le Arafat de 2010 n'est plus même chose que le Arafat de 2010, je suis désolé. Tu sais, l'habitude là, quand c'est en toi, si tu n'as pas pu changer, tu ne vas pas changer. Est-ce que vous voyez? Donc l'acte, déjà, je vous dis que l'acte, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et donc, Pacom, de passage, oui. Vous revenez à nous dire que le fait qu'il y ait un homme dans la chambre de la fille, c'est parce que Arafat a permis à ce que ses amis se produisent dans sa vie
intime. Mais c'est clair. Effectivement, donc on n'a pas accusé la fille. Donc, en fait, n'est-ce pas? Voici le problème qui se pose. Voici le problème qui se pose à ce niveau. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire les hommes là, qui ne respectent pas, qui ne font pas respecter. Effectivement. Une fille qui se fait respecter, lorsqu'elle voit que son homme, si elle sait bien que c'est son homme, et elle voit que son homme laisse ses amis en train de vivre la même vie que lui, il partage la même vie avec avec ses autres amis, il est là quand ses amis sont là, il fait du n'importe quoi en face de ses amis sur sa copine. Mais bon, il y a de quoi, s'il y a de parler, il y a problème. Ok, pas comme nous n'allons pas polémiquer sur ton opinion. Allô. Allô, pas comme nous n'allons pas polémiquer sur ton opinion. Nous respectons ton point de vue. En fait, je vais vous dire qu'il ne faut pas trop mettre la faute. Ouais, c'est vrai, il faut mettre la faute sur Arafat parce que l'acte qu'il a posé, c'est pas bien. Mais d'accord. Il faut reconnaître aussi que si, d'une part, à sa part de responsabilité. Ok, oui. Pas de souci, on a retenu ça. Et vous avez dit que vous voulez prononcer sur d'autres sujets, pardon.